Le vice-président vénézuélien dans la ligne de mire de la justice américaine pour trafic de drogue. Washington a infligé hier des sanctions financières à Tarek El Aissami, un cadre influent du Parti socialiste au pouvoir depuis près de 18 ans. Selon l'enquête menée par les États-Unis, ce Vénézuélien d'origine syro-libanaise aurait facilité la livraison de narcotiques grâce à la mainmise qu'il avait sur les ports et les aéroports du pays.